Le 13 juin 2020, Mélanie Dedigama a donné la vie. Elle a mis au monde une petite fille prénommée Naya, fruit de sa relation passée avec Vincent Lecroc. En effet, les jeunes parents ne sont plus ensemble. Pour rappel, ils ont officialisé leur rupture le 7 août 2022. Malgré la fin de leur histoire d'amour, ils n'ont pas complètement coupé les ponts. Tout porte à croire que le bien-être de leur enfant prime sur tout le reste. Le fait que la jeune femme de 33 ans soit restée en bon terme avec son ex n'est pas vu d'un très bon œil par certains internautes. À en croire leurs explications, l'enfant pourrait souffrir de cette relation ambiguë entre ses parents. La principale concernée a alors tenu à remettre les pendules à l'heure. Je serai toujours là pour lui. Pour rappel, les chemins de Mélanie Dedigama et Vincent se sont croisés après le tournage de la Villa des Cœurs Brisés en 2018. Un an plus tard, ils ont participé ensemble à la bataille des couples 2. Le duo s'en est d'ailleurs sorti victorieux. Tout semblait aller pour le mieux et pourtant, ils ont décidé de mettre un terme à leur relation. Cette FAQ organisée sur Instagram, le 3 septembre dernier, était l'occasion pour la maman de Naya d'évoquer ses activités professionnelles, mais également de répondre à des questions plus intimes. Alors forcément, ses abonnés ont tenu à en savoir davantage sur ses rapports actuels avec le père de sa fille. Notre relation est très saine, bien qu'elle ne l'ait pas toujours été. On s'entend de mieux en mieux. On a vraiment réussi à trouver un réel équilibre, on se respecte mutuellement et il sait que je serai toujours là pour lui. Il reste le père de mon enfant, donc je l'aime profondément malgré toutes les difficultés qu'on a pu vivre. Mélanie Dedigama @Instagram Mélanie Dedigama, impossible retour de flamme avec son ex. Tout laisse à penser que celle qui aurait été harcelée dans ce secret story n'envisage pas pour autant de se remettre en couple avec Vincent. La trentenaire s'est en effet montrée très claire sur la nature de leur relation. L'essentiel c'est que Naya ne manque pas d'amour de ses parents. Aujourd'hui, tout va très bien. On est très heureux d'avoir réussi notre séparation et d'en être là. On est d'accord à tous les niveaux par rapport à Naya et c'est le plus important.